qu'il fait, l'homme de la compétence, le professionnel, c'est celui qui fait tout avec professionnalisme, qui est rigoureux dans le travail, et qui réussit dans tous ses ambitions. L'homme de l'unité nationale, l'homme de la réconciliation, celui qui est un pont entre tous les composants de la Côte d'Ivoire. Il a été au centre de tous les dialogues entre le pouvoir et l'opposition, qu'il s'agisse de la question de la réforme constitutionnelle en 2016, qu'il s'agisse du dialogue sur les conditions des élections de 2020. Ahmed Bakayoko a été toujours présent et a pesé de tout son poids pour faire avancer les choses. Nous avons partagé un personnel ensemble. Nous avons été des compagnons de combat. Ahmed a beaucoup donné à tout le monde. Regardez tout ce qu'on a fait là aujourd'hui. Avec quel enthousiasme il est venu nous rendre mal. Je pense à sa famille. Je ne pourrais pas être absent avec le droit populaire. Nous sommes vraiment très très tristes de voir Ahmed quitter. Je vais demander à Dieu de nous pardonner toutes ces fautes. De lui accorder sa grâce et sa miséricorde qui nous bénit. Amen et bien son prochain.